Comme tous ceux nés en mars, avril et mai, le petit Archie ne fêtera pas son anniversaire normalement en 2020. Le 6 mai prochain, le bébé de Meghan Markle et du prince Harry célébrera son tout premier anniversaire. Et si les Sussex avaient d'ores et déjà imaginé les festivités pour ce jour spécial, ils vont devoir changer leur plan. Comme le révèle le Daily Mail, le duc et la duchesse avaient rêvé d'organiser une fête avec tous leurs amis célèbres à Los Angeles. Mais à cause de la crise sanitaire du coronavirus et du confinement, Archie ne pourra évidemment pas fêter son anniversaire entouré de centaines de personnes. Une source proche du couple a déclaré que Meghan Markle et le prince Harry avaient espéré profiter du premier anniversaire de leur fils pour célébrer en même temps leur déménagement à Los Angeles. Mais les plans du duc et de la duchesse de Sussex ont naturellement été annulés après l'extension des restrictions et du confinement. Il y a quelques jours, Eric Garcetti, le maire de Los Angeles, a annoncé que les habitants de la Cité des Anges devront rester chez eux au moins jusqu'au 15 mai prochain et que les rassemblements sont toujours interdits. Le prince Harry et Meghan Markle vont donc opter pour une fête d'anniversaire très tranquille pour Archie dans leur nouvelle maison de Los Angeles. Les Sussex ont déménagé en Californie juste avant que les États-Unis, pays le plus endeuillé du monde, ne ferment la frontière avec le Canada aux non-résidents le mois dernier. Meghan Markle a délibérément gardé sa mère loin de leur domicile à Los Angeles en raison de la propagation du coronavirus. Les Sussex devront être patients et même s'ils ont pris un risque pour la bonne cause, pas question pour le prince Harry et Meghan Markle de braver les règles sanitaires pour l'anniversaire de leur fils. Cela ne va absolument pas se produire maintenant que les autorités ont étendu les restrictions, a déclaré un proche du couple au Daily Mail. Il n'y a aucun moyen pour Harry et Meghan d'envisager d'organiser une fête pour la famille et les amis. Même si ce sera un jour spécial pour la famille, ils continuent de prendre la sécurité au sérieux. L'ami des Sussex continuait, leur groupe d'amis très proches aura de nombreuses autres opportunités de les voir. D'autres événements sont prévus tout au long de l'année. C'est dommage car l'anniversaire d'Archie, sans le confinement, aurait offert l'occasion parfaite d'accueillir une pendaison de crémaillère à la. C'est donc en petit comité que le petit Archie soufflera sa toute première bougie.